Salut, c'est Master Rock et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de Cœur de Dadra. Ça aussi, mais vous vous souvenez quand je vous ai parlé de des cœurs de Dadra dans mon autre vidéo, c'était pour les trouver dans le bastion des vigiles. Mais cette fois-ci, on va combattre pour les avoir. C'est à l'hôtel de Merun Dagon, comme je vous ai dit dans mon autre vidéo. Juste ici. C'est quand même assez facile à y aller. C'est à... au sud-ouest, aux étoiles. Bon, maintenant, j'ai utilisé mon cri de héros. Et, c'est facile à tuer. Même si c'est des démaras. Ils sont faciles à tuer quand t'es bon. Ben, moi, je suis super mort. Là, on, va les, on peut les laisser se combattre. Ah, oh, ben, il a gagné en plus. Pour les cœurs de Dadra, mais leurs armes sont quand même assez puissantes. Leur armure, c'est une armure d'Adra, mais vous pouvez pas encore l'avoir. Moi, je l'ai. Ben, vous voyez comme ils ont toutes des choses différentes. Regardez, moi, c'est ce que j'ai, l'armure d'Adra. Mais eux, c'est eux qui te donnent les cœurs d'Adra pour pouvoir la forger. Et ce qui est cool après, c'est qu'il y a plein de choses un peu partout. La flèche de mer, crochet, or, botte de mer de figure à crure. Vous voyez, c'est comme il y a plein de choses de bon, épée de verre, dague de verre, conjuration de fromage, plein de choses. Je vous dis une petite cachette de coffre, il y en a un ici. C'est pas vraiment des petites cachettes, là, c'est juste des bonnes choses. Dans des coffres, quand même discrets. Celle de Géphanos, blablabla. Bon, on va regarder ce qu'il y a dans l'autre coffre. Puis dans les urnes, c'est souvent de l'or et des potions de soins. Ce qui est très utile. Vous pouvez regarder dans toutes les urnes. Il y en a or, potions de soins. Vous voyez, c'est... il y a plein de choses comme ça. Un peu partout, vous regardez dans les urnes. Il y en a un ici que je vais regarder. Et de l'or. Et c'était juste pour vous montrer. À l'hôtel de Merun Dagon, ce qu'il y avait, c'est des lingots d'or et des lingots d'ébonite que vous pouvez tous prendre. Ici, il y a gemme supérieure magistrale. Là, il y a des coffres vides. Là, vous pouvez lire. Plein de choses un peu partout. Il y a des cases d'affaires de destruction accrue. Des éclairs, blablabla. Vous pouvez tout prendre si vous voulez. Et il y a plein de lingots d'or, plein de lingots d'ébonite. Ben, l'ébonite, c'est un peu plus rare, là. Ben, pour trouver la bonne ébonite, comme l'ébonite brute et l'ébonite raffinée, je vous conseille juste d'aller ici, près de Vendôme. À la mine, il y a plein de filons d'ébonite et il y a quelques filons de fer. Vous y allez, vous prenez tout et vous vous gâtez. Et ici, c'est juste, en fait, une base orque. Moi, je les ai tous tués, là. Mais c'est votre choix. Et ouais, c'était juste ça. Pas besoin de difficulté la vie. C'était juste ça. Vous avez juste tué deux Dadra. Assez facile. Ben, c'est ça. Et à plus tard. Et on se retrouve pour une autre vidéo dans Skyrim un peu plus tard. C'était Master Rock. Et on se retrouve pour une autre vidéo dans Skyrim un peu plus tard. Comme je viens de répéter. Bye bye.